annuel des managers. C'est tout simplement l'occasion, une fois par an, de se retrouver avec tous les collègues. C'est toujours un moment qui est assez chouette parce qu'on se retrouve tous entre managers. C'est un moment où à la fois de retrouvailles et puis c'est un moment aussi où sont délivrés un certain nombre de messages. Qu'on se recale les uns les autres, qu'on accorde nos violons avec les différents comex de l'entreprise. De bien se poser en termes de stratégie, mais aussi en termes de relations humaines. C'est en fait le cap donné à l'entreprise pour demain et celui qu'on devra essayer d'expliquer aux agents. Ce que j'attends d'une organisation syndicale et ce que j'attends de la direction, c'est que ça se cause en le plus haut, ça se cause et le mieux c'est pour les gens sur le terrain. Pouvoir continuer à dialoguer avec les agents et leurs représentants. C'est la capacité à nommer ce qui va bien et ce qui ne va pas tranquillement pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions. Pour moi, c'est un partenaire, notamment dans les transformations de l'entreprise, un partenaire parfois exigeant, challengeant. Mais ouvert, c'est ça vraiment que j'attends. Quelle est une capacité d'écoute, d'analyse et de construction en commun pour le bien en fait, de tout le monde et des agents, mais de l'entreprise avant tout. Je ne dis pas que ça ne cause pas, mais je dis qu'actuellement, ce n'est pas aussi probant que cela peut être. Alors si j'ai des OS qui parlent, qui discutent et qui négocient pied à pied avec leurs intérêts, ceux des salariés en général, je pense que tous, on se porte mieux. En tant que manager, on a la responsabilité de la pérennité de l'entreprise et les organisations syndicales, elles ont la responsabilité de s'intéresser à la qualité de vie au travail. Et c'est bien cet ensemble-là, tous ensemble, qui nous permettront d'avoir une entreprise performante où il fait bon vivre.